Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill and Fight de la baston en toute décontraction. Alors, c'est bien connu pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien, pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est toujours à mes côtés. Ça va, mon Seb Salut, ça va, Lucien Et toi Salut à tous, content de vous retrouver. Ça Bonjour. va, super. Je t'ai vu à distance parce que j'ai commenté le coffre à Lille. Ouais. Tu spiquais l'événement. Exactement. Et tu m'as régalé un costume bleu. Mais alors, mais magnifique. Tu l'as sorti où, celui-là, franchement tu serais pas en train de te foutre de ma gueule. Là. Non, non à ah, moi j'adore hein. Ah vraiment alors moi euh, l'extravagance à l'extrême. <laughs> c'est vrai que j'ai mis la barre assez haut dans l'extravagant, ça. Mais euh, non, moi j'aime bien mon costume bleu ah, moi. Attends de voir euh, celui pour Brest. <laughs> bon Cyril si Diabatté dans la dernière émission. Ouais. Après, il nous a foutu une ah, sale ambiance. Ouais, il a plombé. Et hein. oh, ça c'est Cyril, oh, J'avais dit. dit on l'invitera. <laughs> Ça commence aujourd'hui, hein, ça ressemble à ça. C'est ça. C'est la même mais émission. pareil. Hein. Oui, moi ça va pas bien, je vais pas bien, <laughs> je, je pleure en ce moment. Oh, j'ai eu après l'émission. Il Ah ouais, non mais. Ah, il On, on l'a noté, ne hein, <laughs> plus inviter Cyril Diabaté. Non, non, très bonne émission avec Cyril, on s'est régalé, franchement, on s'est bien marré. Merci d'ailleurs pour vos nombreux retours sur YouTube. On est en direct sur Twitch. Eh oui. Donc vous n'hésitez pas, vous réagissez avec nous dans le chat, on répondra à vos questions. On posera aussi vos questions à notre invité. Qui est notre invité, Seb, aujourd'hui qui est notre, eh oui, je je te le le est notre invité Je te le demande Il a nettoyé la catégorie en savate Il a nettoyé sa catégorie en kickboxing Il vient de prendre la ceinture Du one Il dépense 150 euros par semaine Chez le coiffeur Il a un dressing plus grand que celui de Jean-Paul Gaultier oui. Alexis Barbosa Nicolas <laughs> Quelle présentation! Magnifique! Ça, Ça va comment tu, tu vois? Merci de ton C'est normal, attends. On sait accueillir nos invités, hein? Ah, C'est une manière. chose qu'on fait bien. On ne ah fait pas oui. tout bien, Et puis, mais ça, on le fait plutôt bien. Quel honneur Ah oui Quelle chance ouais. Quelle chance on a de t'avoir Premier Français, on l'en précise, vous le savez sûrement, mais premier Français champion du One, qui est la meilleure organisation du monde de kickboxing. Ouais. C'est quand même quelque chose. Hein. Et pas que kickboxing. ouais. c'est vrai. C'est une organisation ouais. incroyable. Oh, il ouais, y a tous les, tous les sports de combat sports, ouais. en réalité. Ouais. Et c'est génial. Et puis là, voir cette ceinture ouais. qui pèse, Alexis bah, À force de devoir la trimballer, comme je dis, c'est mon passeport. Hein. Donc, forcément, <laughs> je l'ai rapporté un peu dans tout le monde. Et elle pèse 15 kg avec la petite valise, donc après 13 kg wow, tout seul. Wow, wow. Ouais, tu, tu sens que ce n'est pas les pauvres ceintures qu'on avait avant, c'est qu'elles pesaient 100 grammes. Ouais. <laughs> non, ça, ça vaut vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, Alexis, tu as une histoire avec Sport en France, puisque notre premier direct, c'était en 2019, en hein, création de la chaîne, mmh, mmh. les championnats de France de savate-boxe française, qui avait remporté d'ailleurs le titre. Donc euh, voilà, une histoire avec Sport en France, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, Et tu me l'as dit c direct. Hein, tu ouais. dit c euh... bah pour moi, c'est un, c un, c un ouais. grand plaisir d'être ici. Je fais en sorte de choisir quand même mes médias avec parcimonie. Et le fait d'être ici, c'est un honneur dans le sens où c'était mon premier média, mon premier direct où mes amis ont pu regarder mon combat à la télévision. Donc ça prend fois où je pouvais dire que j'étais à la télé. Quoi. Ah, vois, on va voir quelques, quelques images justement de, de cet événement en 2019, qui était aussi bah, un grand événement pour la chaîne. Hein, quand même, le premier direct d'une chaîne qui se lance, c'est toujours quelque chose. C'est clair. Eh oui, on le voit. Voilà. A une coupe de cheveux, mais. <laughs> C'était où le gala C'était à Coubertin. La Coubertin, salle ouais. mythique de Coubertin. Ouais. C'était, euh, un des plus beaux combats que j'ai pu faire. Euh... Oh. Ah ouais, les enchaînements. Ah, ça va. Énorme. Toi. Énorme. Énorme. Delphine je t'as parlé de l'émission ou pas Elle m'en a parlé. Ah. Elle m'en a super. parlé. Ouais, elle m'a pas... briefé, elle m'a briefé. Sinon, je serais pas venu. <laughs> C'est grâce non. à elle que je suis là. C'est vrai, ouais. Non, c'est. On la Delphine. Qui a gagné d'ailleurs au coffre, hein, à Lille. Elle a, elle a, difficilement, ouais. mais elle difficilement, a gagné. Difficilement, c'était ouais. pas, pas un combat facile, euh, mais elle l'a bien géré. Et puis c'est bien qu'elle ait des combats durs. Elle qui veut taper ouais. le haut niveau, je pense que c'est très bien. Et d'ailleurs, recombat à, hein. ouais, bah, ouais, le... à Brest. De toute façon, enfin, son... à Brest, elle nous l'a dit. Son objectif, c'est de... Mmh. Enfin, de faire le maximum de combats pour être sur la carte à Paris euh, le 28 septembre. Ouais, ouais C'est ouais. Ouais, ouais. ce que je lui souhaite. On s'est un peu embêté avec Delphine. Ouais, c'était pas. De ouais, bah, toute façon, pour pas... l'instant, on n'a pas eu. Ouais, elle est ennuyée en euh, ouais, ah, Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment. Non. Pas non. Invité, on un non. Peu... non, on s'est un Donc on espère non. que tu vas relever un peu niveau <laughs> Quelle parce... pression. C'est que... ouais. encore plus de pression que quand je boxe Tu vois, bon. <laughs> bon. En tout cas, on va te présenter, Alexis, parce que nous, on, on sait recevoir nos invités, on sait faire des présentations qui mettent en valeur nos invités. Donc, Alexis. T'as 25 ans. Ouais, 25 ans, alors t'en fais euh, 35, 36, je dirais, parce que moi, j'ai 26 ans. Okay, ouais. <laughs> voilà, voilà, regardez, regardez bien. Là, vous mettez ça, c'est 26 ans. Là, 25 ans. là, c'est pas 25 ans. <laughs> je vous le dis tout de suite. Mais bon, on va dire 25 ans quand même sur le, sur le papier. Euh, Alexis Nicolas, c'est ça. Euh, donc, à titre, évidemment, au one. on peut le voir avec euh, la belle ceinture qu'il qui a emmenée. Ça aurait pu aussi être ça. Regarde, tu vas voir. Voilà. Oui. L'équitation. Alors oui, ça, euh, ça aurait -être pu ça. être ça. Ça aurait pu aussi être ça. Gardien ah, de foot. Ouais, eh ouais. ouais. Vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Alors Alexis, <laughs> une mentalité bien bien définie, tout droit. Hein, voilà. Tu le dis souvent. Oh. Moi, je vais tout droit, droit au but. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un grand fan de l'Olympique de Marseille. Hein, voilà. ah non. <laughs> évidemment, droit au Alors but. Euh... Quoi, là. Logique, <laughs> logique. Euh, c'est une vraie photo, hein, bien sûr. Voilà. Tu rêves des tracteurs. Ben, je peux déjà te garantir que tu seras largement meilleur que Conor McGregor dans, dans ce domaine. Rodhouse, euh, une catastrophe. Tu l'as vu, Rodhouse Je ne l'ai pas vu. vu, pas vu je non, bah, mais pas. Le, <laughs> le regarde pas. pas il non. a du charisme. Quand même, ah, ben bah, il a du charisme, ça oui, mais par contre, <laughs> en ça, de... voilà, la King, je pense qu'il y a un moment, chacun, chacun son activité. Euh, T'es sportif, reste sportif, là, parce que là, c'était juste. Ouais, c'est clair. Donc le cinéma, mais aussi la mode. Hein, euh, T'es vraiment un grand amateur de mode. On va voir quelques, quelques photos de toi. Euh, Bien sapé, voilà, c'est pas mal, hein. c'est pas mal, enfin c'est pas mal, c'est pas, pas non plus. On va oui, voir. pour exagérer, oui, ça est va, un petit lui, on est vachement mieux quand même. Oui, oui, oui. Bon, c'est standard, tu vois. <laughs> Regarde, y a... là, genre. Ça manque un, un peu, peu d'originalité. Ça fait voir ses oui. voilà, là. pour rentabiliser. <laughs> ça vient d'où cette passion pour la mode, Alexis Pff, Ça s'est fait petit à petit, dans le sens où. J'aime bien prendre soin de moi, j'aime beaucoup ton outfit d'ailleurs. Là, j'aurais ouais. pu m'habiller comme ça, ouais. un peu moins comme ça. <rire> 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 non, reste avec nous. Non, non, non. Mais euh, c'est... On a grandi dans, dans ça un petit peu. Ouais, ouais. J'aime juste ça. Je ne sais pas comment c'est venu, mais... C'est bien, c bien que ça fait partie du personnage. C'est mmh. hyper important de l'image qu'on dégage, ouais. l'image qu'on renvoie, ouais. surtout à notre époque. C'est très important pour, euh, bah pour tout ce qui est médias, réseaux ouais. sociaux. Et, et effectivement, c'est vrai, hein, là, en, en parlant plus sérieusement, c'est... Avoir du style, de la classe, de ce truc un peu, ce flot naturel, je trouve c'est hyper important. Et c'est vrai que je pense que tu es un peu comme moi. Ouais. <laughs> Même au niveau de la coupe des cheveux, on est un peu pareil. Ouais, <laughs> ouais, pareil. Ouais, pareil. Ok, vas-y, commence. <laughs> Mais tu as beaucoup de sportifs, je hein, viens en interview, qui me disent en effet que c'est très important ouais. de prendre soin de soi pour la confiance en soi, tu vois. Donc, ouais, ouais c'est clair. On va faire un petit jeu, Alexis. On t'a mis des, des combattants en civil. Donc, tu vas devoir les noter. On... Je vais te donner une petite tablette. Une petite note sur 10. Tu les connais tous. Hein. Hop. Okay. Tiens. Hop. Allez, le premier combattant. Connor McGregor. Sur ce style-là Ah oui, oui. Ah, je ne suis pas fan. <laughs> Et après tu le montres à la caméra ici là. Ah. Hop. Ça ah, ça va. 7 Gentil, sur je suis gentil. Ah oui, ça va. Parce qu'il ouais. le porte bien. D'accord. Ah, oui. euh, Genre si c'est moi, bon, ça ça. Non, à non deux. deux ouais. <laughs> ouais. Le prochain. Cyril Gann sur ce flot, ah oui, oui. Ah, c'est le manteau, moi, qui me dérange. On est d'accord. J'aime ouais. tout, sauf le manteau. Et ça, ça... Allez. Il a pas fait beaucoup d'efforts. Il va dur, est mais... Une, euh... Ah, 6,5 ouais, euh... quand même. Quand même. C'est euh, vrai que ouais, c'est alors... le détail, mais le manteau, il, ça, ça, ça casse. <laughs> Parce que j'aime beaucoup la tenue, hein, mais <laughs> le manteau a cassé le... Allez, prochain par la salade ah, par sans affect. Bah, après on voit pas grand chose mais, euh... bah, mais juste ça ça suffit là. moi je lui mets, c'est mon frérot hein. ah. <laughs> allez oh, ah, 10. 10. Ouais, c'est le frérot ah, ouais. en plus de ça non la pièce est jolie après ce n'est pas le pantalon qu'il a mis ouais. mais euh... les pas... lunettes mais avaient avaient photo, il aime l'attitude il de... aime pas de <laughs> pantalon c'est pour ça qu'on a coupé en fait bon, parce parce que caleçon, que le caleçon c'est pas le caleçon il a mis non l'attitude là c'est c'est fort allez le prochain tu le connais bien le prochain tu vas voir <laughs> il est à gauche. Est-ce que, ah, que tu le reconnais Non, franchement, je suis désolé. C'est Hercule. C'est mon ouais, adversaire. Ouais. Ah, faut de dégoût. Hein. C'est pas conclu. Ah, J'avoue que là, c'est un peu canard. Non, ouais. le, 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 le Bermuda en jean, ouais. franchement. Non, il y a tout qui va pas ouais, là. Je lui mets un. Allez, par respect pour ce qu'il est, je lui mets quand même un 1. Un... <laughs> ah, 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 oui, quand ouais. ouais. Quand même. <laughs> c'est presque. Ah, c'est ouais. à la limite Donc, du zéro. l'adversaire que t'as battu. Ah, c'était mon dernier adversaire. Le Nerby ne fait pas Il n'est pas bien comme un champion. il nous en reste un dernier, quand même. Oh là là. <laughs> Seb, Seb, j'ai trouvé Attends, cette photo. Mais... Seb, je peux pas noter ça. Sur Instagram. Mais ça, c'est Je vais noter différent. ça. Je, vais non, noter voilà, ça. Voilà, je préfère noter voilà. ça parce que ça, c'est un grand zéro. <laughs> euh, on part sur un. Non, franchement, allez à la hauteur de. Allez. Parce que sinon, tu vas te la raconter. Je te mets à un, un 9,5 sur 10. Ah ouais Non, parce que ça, c'est vraiment. D'ailleurs, je te soupçonne de t'être habillé comme ça parce que tu me recevais, parce que cette tenue, je l'ai vu dans les photos qu'on a postées juste avant. <laughs> Mais euh, franchement, j'aime beaucoup. Non, non, non. On a fait Attends, note-moi aussi, quand qu'on est parti. Attends, parce que je crois que t'as pas. Je crois que as pas bien vu quand même. Moi aussi, il y a un, tu vois, la petite chemise blanche. Non, c'est vrai. Bien taillée, les petites Nike blanches. Et le rappel des chaussettes. Nike Adidas Riva. chemise, petite trois euh, marques. Hein, hop. Tu vois, c'est Parfait. Vrai. Allez pour l'effort des chaussettes blanches avec une. Ah. Allez. Ah, tu me. <laughs> non, juste, juste, ça a juste valeur. Hein. Ah oui. Non, tu si peux, tu en euh... mets trois. Mets trois. En vrai, là, si je dois. Ouais. Est-ce que tu n'es pas mal habillé non. Ah non, je ne suis pas mal mais habillé. Mais pas mon style. Euh... Allez, tiens, voilà. un... Allez. Après, c'est les goûts et les couleurs. Si, si. Je n'ai jamais eu une aussi bonne note. Euh... <laughs> non, mais je tiens à préciser que la photo que tu as prise, là, quand, toi, je speak. là quand je spique, c'est différent. Je mets des vestes que je ne mettrai jamais quand je sors. Et voilà, C'est parce que c'est un spectacle. Moi, dans la vie, je suis toujours comme ça. Dans la vie, je suis comme ça. Ouais. Ah oui. Bon. Donc c'est pas pas sympa ce que t'as fait. Là. Non mais tu vois <laughs> au final t'as eu une super note, 9 Ouah, ah, une bonne... bon on déconne on déconne on va parler un peu plus sérieusement ouais, quand même ouais. avec toi Alexis on va on va revenir évidemment sur ce titre one un hein, premier français champion du one face à Hércules qui était invaincu depuis euh, 2016. Bah raconte nous enfin tu en as peut-être marre tu l'as fait sur tous les autres médias mais euh, raconte nous comment tu l'as vécu tout simplement ça, ça devait être extraordinaire pour toi. Ouais comme je le dis souvent c'était vraiment un, un accomplissement c'est euh, j'ai réalisé j'ai pas réalisé tout de suite la hauteur de l'exploit. Ouais. Et euh, j'ai ce truc où depuis très très jeune, je, me, je suis pas assez, je suis très exigeant vis-à-vis -vis ouais. de moi-même et je ne me réjouis pas assez de mes victoires. Donc euh, sur le moment, c'était vraiment la suite logique. Je me suis entraîné très très dur, j'ai fait mes sacrifices pour avoir cette victoire. Donc pourquoi ne pas gagner en réalité Donc c'était norm normaliser ça. Et c'est vraiment les retours autour de moi, le, mes, mes coachs qui étaient émus, mais les personnes vraiment proches de moi qui se sont mises à, à, à pleurer en réalité. Parce que moi, je n'ai pas eu le temps de rêver de ça. Ouais. Ça allait tellement vite, tout s'est tellement vite que ce n'était pas un rêve. Mais tu trouves ça... Enfin, comment tu le vis, toi, de normaliser tes victoires Est-ce que parfois, ça te frustre Tu aimerais bien plus en profiter, plus te lâcher ouais, j'aimerais vraiment pouvoir plus en profiter. Parce que je me dis que les victoires ne sont pas éternelles et ouais. qu'en réalité, je ne suis pas à l'abri d'une défaite. Et je me dis, si je réagis comme ça quand je gagne, Qu'est-ce qui se passera le jour où je perdrai Et euh, donc, je fais ce travail sur moi depuis très, très longtemps, mais j'arrive toujours pas à apprécier parce que je suis très exigeant et je veux toujours faire mieux. Là, sur ce combat-là, je voulais faire encore mieux et, et gagner mais par KO. Ou... C'est peut-être pour ça que tu gagnes. C'est parce que tu as bien. cette mentalité. Oui, tu, tu ne penses et même pas à Tu ne penses en pas à en fait. la défaite. Vraiment euh... Et tu vois, on en revient à ce qu'on disait, je ne sais plus avec quel invité, c'était Delphine d'ailleurs, je crois. La mentalité. La mentalité. Ouais. C'est-à-dire que cette mentalité que tu as, c'est… C'est pas propre à la France. Il y a, aux États-Unis, tout le monde va dire Oh, si je m'en suis c'est pour gagner. La défaite, je veux pas en avoir. En France, quand tu dis ça, tu passes pour quelqu'un d'autre hein. dé... bah, Je trouve que de plus en plus. Ça, ça, ça change les, les mentalités le Mais là, ça ton discours, euh... il est limpide. Mmh. Bah ouais, ouais. c'est normal que je gagne. Bah, je viens de travailler pour je viens ouais. de faire un camp qui m'a achevé. Donc moi, j'aime ce genre de mentalité ouais. parce que c'est pour ça que tu as 24-0. Ouais. Voilà. Bien sûr, et puis euh, dans, mon, dans mon discours, en réalité, euh, j'arrive à, à nuancer l'ambition et la prétention, dans le sens où j'appuie aussi ce que je dis. Mais ce qui est drôle, c'est que ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que je disais déjà il y a 10 ans. Mmh. Et il y a 10 ans, si je n'ai jamais vraiment pas, euh, eu l'impression d'être prétentieux, on ne m'a jamais fait ce retour-là, parce qu'on voyait les efforts que je faisais. Mais maintenant que ces efforts ont payé et que là, je peux vraiment euh, montrer pourquoi je disais ça, bah, là, en réalité, euh, comme tu dis, c'est limpide et, euh, et ouais. ça a du sens. Ah oui, bien sûr. Je me souviens de la victoire que tu as eue contre une autre légende de mmh. la savate, euh, Diaby. C'est pareil, pour toi, c'était. Ouais, j'ai gagné, quoi. Bah, c'était normal. Et, euh... Alors que c'est Diaby, quoi. C'est enfin, Diaby. Pas, tu vois, c'est pas le loisir qui s'entraîne deux fois par semaine, quoi. C'est Diaby. Et euh, surtout que qu'on devait se rencontrer déjà en 2018. Là, ouais. tu parles d'un Diaby de 2021. Oui, 2021. Ouais. Et euh, on, je devais faire les championnats du monde en 2018. J'étais euh, trop jeune. J'étais champion de France à 20 ans. Mais à 20 ans, on est encore considéré comme un junior à l'international en boxe française. Ouais. Et je devais le boxer. Et j'étais dégoûté. Et j'étais rempli d'ambition et de frustration. J'ai peut-être même à un moment été déplacé, je dirais à ce moment-là, dans le sens où je lui ai dit Oui, on se rencontrera on... et je te battrai. Ouais. Et parce que j'étais rempli de. Je ne sais pas comment j'aurais perçu ça, moi, aujourd'hui, et comment je l'aurais vu, mais en tout cas, je savais que j'allais le battre à ce moment-là. Et on, a... on s'était rencontrés, on était en Tunisie à ce moment-là, on avait discuté. Lui aussi, il était un petit peu chambreur. Et moi, pour moi, ce jour-là, quand du tu as expliqué, je savais que j'allais le battre. Et j'avais ce... cette revanche au fond de moi où bah, le fait d'avoir pu l'affronter, pour moi, c'était comme une défaite déjà. Et là, en gros, j'ai voulu le battre avec la manière. Mais c'était un chaos dramatique, ouais. dramatique. Et j'ai pas eu de peine parce qu'en réalité, c'est le sport et pour moi la meilleure forme de respect que je pouvais avoir pour lui, c'est de le battre et ouais, de ouais, le boxer ouais, ouais. à mon meilleur niveau. Ouais. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et puis quel combat, ouais, ouais. quel combat. Ouais. Oh là là. Et Alexis, tu, tu... on a eu Benzema avec le Ballon d'Or, qui disait que c'est le Ballon d'Or du peuple. Toi, ouais. tu dis que cette ceinture qu'on voit qui est magnifique d'ailleurs, c'est aussi la ceinture du peuple. Tu peux Merci. nous expliquer pourquoi tu dis ça Pourquoi euh... Ça s'est fait naturellement cette formulation et cette appellation. Ce qui se passe, c'est que, comme je le dis souvent, et, et je suis fier de le revendiquer, pour le coup, je viens vraiment d'en bas. Ouais. Tu vois, je viens, je viens d'un quartier où, où je j'ai pas les mêmes codes sociaux qu'aujourd'hui. Euh, le 20e, c'est Le 20e arrondissement de Paris. Et euh, <coughs> le facteur réussite, ce n'est fa... pas le facteur réussite qui n'était euh, pas présent, c'était le facteur rêve. Hum. Et, et je suis content de pouvoir dire que là, j'ai je je, pu aller au bout de mes rêves. Ouais. Et en plus de ça, je peux vraiment faire rêver les autres. Et euh, je, je suis le champion des miens. Et euh, c'est la, la ceinture des miens. Quand je la ramène, c'est... En fait, cette ceinture, si tu veux, en vrai, au quotidien, quand elle est chez moi, je la, je la regarde même pas parce que c'est je... du matériel. Ouais. Mais ce qui est... Mes... Ce à quoi je porte vraiment de la valeur, c'est le regard que mes amis portent quand je leur montre ou les gens... Les enfants, quand ils voient ça, c'est... Et là, je me dis, ah ouais... Ça a du sens, ce que je fais. Et c'est pour ça que c'est la ceinture du club. En réalité, elle m'appartient, mais elle a plus de valeur quand elle est entourée des autres personnes. T'as des gamins du, du quartier qui euh, viennent te voir, euh, qui t'idolâtrent un peu Bien euh... sûr, j'ai les amis de mon petit frère. Ouais. Tu vois, moi, je suis très, très proche des jeunes de mon quartier. J'entraîne encore dans le premier club dans lequel j'ai commencé la, la boxe française. Ah, Donc euh, j'ai un rapport aux au jeunes très important. Ouais. Parce que j'ai jamais eu ce, ce modèle-là, on va dire en termes de boxeur accessible, auquel j'ai pu m'identifier quand j'étais petit. Donc c'est important pour moi de pouvoir... Euh, Partager, ça a vraiment tout le sens de ce que je fais. Ouais. Et bien sûr, il y a des amis, des, enfin des amis, à mon petit frère qui sont venus chez moi, qui, venaient, qui sont toujours venus, qui m'ont jamais rien demandé, qui m'ont jamais calculé. Ouais. Et là, ils ont vu cette ceinture et depuis ça, ils m'ont vu à la télévision et là, ils me demandent des photos, des autographes. Et j'ai vu vraiment ce, ouais, ce côté un peu marrant. Je leur dis, ah, vous êtes des fous, qu'est-ce que tu me demandes une photo Laisse-moi tranquille. <laughs> Bien sûr, ça, ça ça veut dire quelque chose. T'entraînes en BF ou en qui J'entraîne en... en boxe française. En France, en... Les... là, je vais donner mon dernier cours euh, la semaine prochaine ouais. aux... aux jeunes. Et euh, je suis assez triste d'ailleurs, mais euh, non, j'entraîne en boxe française. Dans le premier ah. club dans lequel j'ai commencé, ah, okay, quel tu peux le euh, citer Oui, c'est le Copier Sportif. C'est le Copier Sportif. Je suis encore licencié là-bas en boxe française, puisqu'il ah. faut être licencié pour entraîner. Mais ni le montant. Euh, mais ni ah. le montant, exactement. Et euh, c'est c'est dingue de, quand je reçois les messages des jeunes et puis. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé au fur et à mesure des années. J'ai vu des jeunes enfants devenir des adultes. Et moi, j'ai aussi, en dehors de ça, j'ai travaillé en tant qu'éducateur sportif. Je travaillais auprès des jeunes du Pré-Saint-Gervais pendant de mes 17 ans à mes 24 ans. J'ai arrêté le travail que là, récemment. Et voilà, donc j'ai vraiment ce rapport de transmission et je trouve que c'est très, très important. – Ah, c'est bien, c'est la transmission du savoir. C'est… voilà, c'est… – Tu le sais aussi, hein, coach Oui, oui, mais c'est bien parce que c'est… Ça te démontre une grande maturité, ouais. même si tu es jeune encore. Mais il y a déjà cette maturité. Et de vivre toutes ces choses-là, à cet échelon-là, ça voilà, ça, mais... ça, ça, fait, ça fait grandir plus vite. Exactement. Et justement, tu le disais, tu cette, cette victoire, voilà, tu, tu, tu le savais quasiment que tu allais gagner. Tu t'étais préparé pour, tu la normalises. Est-ce que l'engouement que tu suscites actuellement, est-ce que ça, tu l'avais anticipé aussi Ou est-ce que ça t'est tombé dessus un peu euh... ouais. C'est dingue, hein, mais euh, ce qui m'arrive là, je le savais. Ouais. C'est dingue. J'aime pas dire ça, mais je, je, je dois le dire. Ouais. Parce que je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Dans le sens où j'ai vraiment travaillé. Je pense que très peu de personnes peuvent réaliser à quel point j'ai travaillé dur, dur, dur. Et euh, pour moi, je, je vais encore plus loin. Je vais encore ouais. plus loin. Et ce qui se passe, c'est encore petit par rapport à mes ambitions. Après, je me, je me réjouis vraiment de ce qui se passe. Et, euh, et je suis fier. Bien évidemment, c'est important aussi de chaque chose en son temps et de ne pas aller trop vite. Mais euh, oui, et puis je pense que je peux encore susciter davantage d'engouement et que je peux ramener pas mal de choses à ma cause. J'ai pas mal de, de choses que j'aimerais défendre et dont j'aimerais parler. Et pouvoir être le porte-parole de tout ça, c'est ça mon objectif. Okay. Mais bon. le, 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 milieu, le milieu sait que c'est un bosseur. Mm. Le milieu sait que c'est un mec, c'est un travailleur. Et ce qui est bien, est, là, c'est que le grand public connaisse mm. Alexis et qu'il se rende compte que choper une ceinture comme ça... Tu ne le fais pas en deux combats, tu ne le fais pas en un an. Mmh. C'est le travail de, de, de 10 dit... années minimum. Mmh. Et encore parce que toi, tu es précoce. et tard, as du plus, toi avant talent. lettre. Moi, à 14 plus, ans. Euh... As à... Ouais. Ça fait 12 ans que je boxe. Ouais. C'est rien. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien dans ton discours, enfin ce, ce qui me marque en tout cas positivement, c'est que quand tu parles de rêve absolu, tu ne parles pas forcément tout de suite de ceinture, de titre. De... Tu parles de euh, transmettre un message, laisser une marque, mmh. tu vois, dans ta, dans ta discipline, dans la société. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois. Et pareil, comme tu dis, tu as 25 ans, tu es, es encore hyper jeune. Et ça, ça prouve une, une maturité immense. Il y a encore Il dix, an, dix années, ouais. minimum. Moi, j'espère boxer sur, sur encore dix ans. Boxer encore sur 10 ans. J'aime boxer. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est pas un problème euh, de boxer souvent. J'ai envie de boxer souvent. Pourquoi tu boxes Pourquoi je boxe euh, Je me suis beaucoup posé la question. J'ai commencé la boxe quand, quand je le dis souvent. C'est au début, c'est par hasard. Ouais. Ou mais pour moi, le hasard, hasard n'existe pas. Et euh, on ne boxe, boxe pas par hasard. Moi, j'ai eu beaucoup de, de combats personnels, tu vois, une ouais. enfance assez, assez compliquée, comme j'explique, mm -hmm. sans trop rentrer dans les détails, parce que je suis pas encore forcément prêt à, à, à parler de ça, parce que c'est très, très fort ce que j'ai vécu. Ouais, ouais. Mais euh, tu vois, la violence physique, la violence psychologique, euh, le fait d'avoir grandi sans, sans repère et sans ouais. père, et, et cette chose-là, que que, pour moi, c'est vraiment une thérapie, les, les interviews. Ouais. Parce que j'ai jamais autant réfléchi sur moi-même que de devoir en parler et de devoir ouais, en, ouais. en parler. Et pour moi, c'est vraiment devenu une figure paternelle la, la boxe. C'est devenu, euh, j'ai trouvé comme une un, un refuge ouais. et j'ai personnifié la boxe et j'ai retrouvé vraiment ce que je suis en train de rendre aux gens entre guillemets au, à la jeunesse et le partage. C'est ce que j'ai retrouvé moi en, en commençant la boxe. Okay, ouais, ouais, okay. Mais voilà pourquoi la boxe. Comme disait Ciel Gabaté, hein, c'est un moyen aussi d'extérioriser. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit, on, on, on fait pas de la boxe par hasard. Enfin, Là, je parle de des combats. Tu peux t'assurer en loisir. Oui, tu oui. oui boxe, ou boxe, boxe, mais dès que ou tu ouais. te dis je vais monter sur un ring ou dans une cage, on n'y va pas par hasard. Ouais. C'est que derrière il y a quelque chose qui voilà. Et ça nous, ça, en fait finalement ça, ça renforce, ça ça rend ça rend meilleur, ça rend je sais pas, mais en tout cas c'est pas un hasard euh, monter sur un ring. On le fait pas comme ça. Tiens, je, donc, ce matin je vais me lever puis possible. je vais me casser la gueule avec un gars que j'ai jamais vu. Ouais. Après j'ai eu la ouais. chance que ça se fasse progressivement. Ouais. Ça s'est fait progressivement. J'ai commencé en boxe française. Euh, à la base, c'était très éducatif. J'ai commencé par l'assaut. Donc, je ne suis pas monté sur le ring en, en me tapant oui, directement. Oh, ouais, voilà, Donc, euh... Euh, ça s'est fait petit à petit. Je n'avais pas cette ambition d'être le grand champion euh, euh, qu'on qu pouvait voir à la télévision. Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait regarder la boxe à la télévision. Aucun rapport avec la, quasiment aucun rapport avec la boxe. Et ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. Et par contre, là où je suis passé en combat et que dans certains échanges à l'entraînement, j'ai ressenti vraiment des, des sensations qui pouvaient me. Me rappeler un petit peu mon passé ou des choses que j'avais vécues. C'est là où tout s'est créé et ça a pris une ampleur supplémentaire. Et sur le ring, je me métamorphosais et c'est là où, où tout s'est passé. Ouais. Moi, il y a un truc qui me. Toi qui un... aimes T'aimes la mode, ouais. t'aimes le paraître et tout. À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire de la boxe française avec un collant moulant, on voit le service, trois pièces <laughs> ?– je me suis merde, Où si. bon ça a merdé <laughs> ?– bah <justement, rire> euh... Non, c'est un gros problème, c'est un gros problème, cette tenue <laughs> en, en boxe française, j'en parle souvent, ouais. parce que je ne tourne pas le doigt à cette discipline qui ah, m'a ben ouais. vraiment et... euh, permis d'être ce que bah, je suis aujourd'hui. Mais là. du coup, j'avais… Euh, euh, la lexique que tu vois aujourd'hui et la lexique qui a commencé la boxe française, c'est deux personnes totalement différentes. C'est la boxe qui m'a éduqué. Et euh, j'ai commencé. J'avais, j'étais un petit peu rond. J'étais pas forcément beau. Je m'habillais pas bien. Et euh, je me suis transformé à, à la boxe. En fait, ça m'a redonné confiance. Et peut-être le fait d'avoir porté ce pantalon là de boxe française très serré <laughs> m'a fait comprendre que je voulais porter des un peu plus d'oversize. Mais euh, c'est vraiment. Il y a eu un cheminement. Il y a eu un cheminement. Et je me suis voilà en grandissant, je me suis vraiment éduqué à travers la boxe. Et c'est pour ça aussi que à un moment voilà, j'ai vu euh, ces tenues là. Euh, voilà, tu me vois comme ça. Je peux pas, je peux pas. C'est si, pas mal. Bah, c'est pas non. mal. C'est mieux évolué maintenant, non. il y a les pantalons. Ils sont en deux parties et encore, je m'en sors. Tu la noté. <laughs> c'est un gamin. Voilà, c'est voilà. un petit un, quoi. on va pas aller plus haut. quoi. Hein. Je n'aurais pas... <laughs> pas donné autant. <laughs> voilà. C'est vrai que c'est un frein un peu à la, à la, à la médiatisation. médiatisation aussi de la discipline. Ouais, c'est un gros gros frein. Je ne peux pas te voir... Euh... Enfin, je ramène des gens, tu vois, des, 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 des personnalités voir ça... Bah, il y a ce ouais. truc là où ils me prennent en vidéo, ils sont pas. Ah, tu vois, ils savent que les retours vont pas être ouf. Mmh. Là, tu es en short, le côté gladiateur, euh, même avec euh, tout ce qui se passe en MMA. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus stylé. On est des gladiateurs des temps modernes. Ah, c'est clair. Donc forcément, sûr. il faut. Euh, il y a une image. Il y a une image. Bien sûr. Il y a un sûr, personnage. Que, il y a... Ouais, elle, est, elle est indéniable. Et c'est vrai que les. Ah maintenant ça a évolué. Hein. Hum. Je crois que tu peux combattre. En deux tenues. En deux tenues. Enfin, deux en pantalons. Deux un pantalon et un. Ouais, ouais. Comme, Donc, comme ce que, que avais, que avais en... quand je t'expliquais en 2021. Là, c'est la savate pro. La savate pro, c'est vraiment l'alternative entre le kickboxing et le. Et là, Torse nu. J'étais torse nu. Les coups de pied aussi en savate pro sont pour que justement les kickboxers puissent justement s'adapter au mieux. On peut les balancer parce qu'en boxe française, c'est très codifié. Ouais, c'est très, euh, ouais, très, très réglementé, il faut armer, etc. Et euh, voilà. On a parlé de boxe française, ça va être kickboxing. On va parler de MMA quand même un peu avec toi, MMA chill and fight. À quand la transition vers le MMA Est-ce que quand à quand tu te projettes assez vite Est-ce que tu te laisses du temps Je me laisse du temps parce que mon petit bébé est là, ouais. la ceinture. Il faut la défendre. Déjà, je suis en contrat avec le One pendant encore deux ans. Et à la base, c'était vraiment mon objectif premier de pouvoir faire cette transition en MMA. Là, tout est en train de se reformer différemment. Je suis toujours très intéressé par le MMA, mais je suis un perfectionniste et je ne veux pas aller en MMA parce que je dis que je vais en MMA. Si j'y vais, c'est pour tout détruire. Donc, forcément, il faut charbonner, etc. J'avais commencé à bien me travailler le sol et les bases. Je me suis fait une luxation de l'épaule. On m'a balancé par terre, luxation de l'épaule. J'ai dû vraiment réadapter ma façon de m'entraîner. Et du coup, là, ce n'est pas ma priorité actuellement. Mais si je veux vraiment le MMA, il faut que là, tout de suite, je commence dès à présent à, à m'orienter petit à petit dans mes transitions et dans mes au boulot quoi. Et il se peut que non le MMA jamais. Il se peut que jamais, mais ah. il se peut aussi que très bientôt aussi. Donc ouais, euh, okay. là, je suis en train pour parler avec mon, mon manager, avec ma team, parce qu'on veut vraiment faire ce qui se passe pour le, ce qui se fera au mieux pour moi, pour ma carrière. Comme je t'ai dit, j'ai des ambitions vraiment qui dépassent même la boxe. Euh, ouais. On parlait d'acting, bon l'équitation c'était un peu dans le passé, <laughs> j'aimais beaucoup. Moi bon, j'ai beaucoup aimé. Hein. Mais euh... <laughs> Mais euh, c'est vrai que j'ai plein d'ambitions qui se créent, j'ai énormément de rencontres que je suis en train de, ouais. de faire. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à moi. et C'est que le début. Ouais, je me découvre différemment. Il ouais. y a certaines personnes qui m'ont parlé d'un certain potentiel euh, pas mal, par rapport à pas mal de choses. Mmh. Donc voilà, je suis un boxeur, euh, ouais. dans un premier temps, un kickboxeur. On continue de bosser et je verrai où le vent m'emmène, mais euh, intelligemment. Oui, très bien. Euh, c'est pas trop dur de ne pas trop s'éparpiller, justement, vu que tu le dis, tu as beaucoup de propositions ouais. dans, différents, dans différentes branches, parce que bah, voilà, tu as, t as ouais. aussi euh, du talent dans différents secteurs. C'est pas trop dur de rester focus bah, je, je suis très concentré, là. On peut avoir l'impression que, que je mène la belle vie à gauche, à droite, les plateaux télé, déjà, c'est très très fatigant. Ouais. C'est très fatigant, la chance surtout, que j'ai... On est, on est quand même fatigant, quoi. Non, non ça, genre, va, voilà, quoi. ça va. Mais ce qui est, fa... est... relou, <laughs> la chance que j'ai... <laughs> C'est que là je sors d'un combat où ouais. je suis encore un peu blessé, là on est sur la fin de la blessure. Okay. Donc ça me permet justement de moins m'entraîner et de pouvoir euh, euh, aller au, sur les plateaux télé ouais. et euh, le, rendre ça de manière de normaliser le fait que je sois sur les plateaux télé sans culpabiliser de ne pas m'entraîner justement. Donc ouais. en réalité, okay. euh, après non, je, je sais, moi je suis un boxeur, hein, et puis j'ai toujours eu l'habitude de cette, de cette fast life. Ouais. J'ai travaillé depuis mes 17 ans, 18 ans, euh, je faisais du 8h, midi, euh, non, du 10h midi entraînement, du 13h, 17h. Travail 18h-20h. Et ça pendant 5-6 ouais. ans. Oh. Donc arrêtez, là, les interviews, c'est de la nu note à, ouais. à côté de, du train de vie que j'ai mené ouais, toute ma vie. Ouais. Mmh. On l'a dit, tu es très à l'aise dans plein de domaines, et notamment les réseaux sociaux. Hein, ouais. Tu es assez actif sur Instagram depuis un moment. Ouais. Sur Twitter aussi, mais depuis moins longtemps quand même. J'ai vu, ouais. j'ai remonté tout ton fil Twitter. Enfin, X maintenant, il faut dire. X. Ouais, il faut dire X, ouais. voilà Février 2023, je crois tu as commencé ouais. sur Twitter avec un petit message, genre, il paraît que c'est ici que ça se passe. Tu as débarqué comme ça. Ouais, c'est ouais. la fête, tu connais quand, es, quand tu vas dans une fête et que tu n'es pas invité. Ouais. C'est l'intéressant, <laughs> c'est ce qui s'est passé. Mais on a fait un truc sympa, nous, parce qu'on a vu que tu posais beaucoup de questions sur ouais. Twitter aux gens qui, qui te suivent. et ben, On a retourné la chose, tu vas répondre aux questions que tu poses aux gens. OK On t'en a mis quelques-unes... Quelques qui vont apparaître. Alors, la première. Les gars, vous pensez que la communauté d'un artiste peut changer sa carrière à elle toute seule Moi, je vais te poser la question avec un athlète. Est-ce que tu penses qu'une communauté d'un boxeur, d'un combattant de MMA, elle peut changer complètement sa carrière à elle toute seule À elle toute seule, je ne pense pas, mais elle peut jouer beaucoup. Elle peut jouer beaucoup. Pour ma part, je sais que quand je boxe sur Paris, et quand je boxerai à nouveau sur Paris, les gens vont être choqués et ça va être monumental. Dans le sens où euh, on, est pas seul, on est seul sur le ring, mais jamais réellement seul. Et euh, pour moi, une, un cop ou euh, une, une communauté peut changer énormément euh, la crédibilité d'un athlète. Et je pense qu'elle peut aussi influencer tes choix. Et notamment, par ouais. exemple, si là, as une communauté, et les mecs qui te disent, non, oh, Alexis en MMA, Alexis en MMA, est-ce que ça peut influencer te dire, ouais. bon, allez, on y va Ça peut influencer. Après, le plus important, c'est vraiment euh, le, le cercle restreint. Euh, le, le management, les coachs, ouais. c'est ça vraiment, c'est eux que j'écouterai toujours. Ah, le... Mais bien évidemment, que par exemple, si jamais le peuple réclame, parce que c'est l'ascenseur oui. du peuple, donc ouais, forcément, ouais, ouais, ouais. tu vois, tout se, se, se rejoint. Mais si le, club, le peuple réclame un adversaire en particulier, bah, je ferai tout pour avoir cet ouais, adversaire-là parce que je, je suis comme ça. Je... Mon aventure est belle, mais elle est vraiment plus belle grâce à, grâce... Bah, grâce à vous en réalité. Parce ouais, que en fait, ça. Ouais. ça en vrai ça ne m'intéresse pas de boxer tout seul dans une salle. Je boxe faire mes sous dans. Non, ça m'intéresse pas. Ouais. Je préfère pr peut-être même prendre un peu moins d'argent et boxer devant vraiment à domicile, devant ma famille, etc. Faire kiffer tout le monde que prendre des millions et être dans. Je sais. Bon, après les millions, on... <laughs> non, ça dépend <laughs> combien être... de millions, ouais, quoi. Non, ça ça un moment. Euh... Mais voilà, faut mmh. c'est ce qui m'intéresse. Mais ta communauté, enfin, sa communauté, elle est, est superbe en plus parce que je regardais sur en dessous toutes les vidéos, les posts et tout. T'as presque aucun haters, quoi. Tout le monde. Je commence à On en a à... toujours quelques-uns, mais franchement. C'est que vrai. des messages respect, ouais. super mec, truc. Sur, enfin... sur 100, tu dois avoir 3, 3, 4 mecs, ouais. haters ouais. qui, qui... Non, c'est depuis l'arrivée... Qui sont jaloux, comme... Non, c'est depuis l'arrivée du... Bah, depuis mon arrivée dans, dans la fosse au grand public. Ouais. Euh, depuis que je suis dans... bah, du coup, les gens ne me connaissent pas encore. Ils me découvrent tout juste. Mais c'est vrai que j'ai cette authenticité à travers mes réseaux sociaux où... Je pense que là, comment tu as pu me voir à travers mes réseaux oui. sociaux, je suis la même personne en réalité. Et ça fait que moi, ça me facilite beaucoup le travail. Ouais. J'ai pas besoin de m'inventer un genre, j'ai pas besoin de tenir des propos qui sont contre Non, 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 je dis ce que je pense. Ouais. Et ça fait que les gens s'attachent plus ou moins à ce que je suis parce que je suis ce que je suis. Donc euh, ça facilite... Euh, C'est un anti Iter, je pense. C'est beau, ça. Allez, belle, allez, ouais, belle, allez. Belle, belle, belle. Prochaine question que tu as posée à tes, à tes abonnés sur Twitter. Si vous deviez rentrer sur le ring toute votre vie, sur la même musique, ce serait laquelle Oh. Moi, ce serait. Euh, je sais pas pourquoi. J'adore Burna Boy. C'est un, ah, ouais. un artiste euh, afro -ni euh, du Niger, je crois, afro, euh, qui, qui fait des sons. Et un son qu'il avait fait dans Black Panther, c'est le son d'ailleurs euh, sur lequel je suis rentré à mon oui. dernier combat. Et il me procure une émotion. Oui. Et euh, en fait, il dit, ouais, il dit clairement qu'il combat pour sa vie. Et euh, je sais pas, c'est un son qui retranscrit énormément d'émotions en moi. Et donc je dirais, ouais, Alone de, de Burnaboy. Ouais. Il est nigérien, t'as Ouais, c'est... Une, ouais, musique. Vrai. Ouais, euh, une bah, musique, toi tu... Alors tu moi, je rentre, as as quand c'est pas des gros galas, tu sais, où il y a déjà la musique, je rentre sur Peace and Love de Jogo, un euh, reggae. Okay. Et je rentre, ça fait déjà euh, plus de 4 ou 5 ans que je rentre sur la même musique. Avant, je changeais chaque année. Ouais. Mais c'est vrai que cette musique aussi, euh, on, on, ça nous parle. Il y a quelque chose qui nous parle, donc on... pourquoi je changerais parce que ça me parle. Ah, Donc, effectivement, monde, et, et autant que faire se peut, garder la même musique tant qu'elle <laughs> qu te, te transmet. Ah, et toi moi, euh, Jennifer ou euh, 50 cents, tu vois, as les deux opposés, non, euh, Tu choisis. Il n'y euh... a pas de... Oh, Jennifer et 50 Ah, cents. moi, je suis comme ça, moi je suis... Euh, voilà, je m'adapte à toute situation. Il faut que je leur fasse ta culture musicale, <laughs> je l'ai déjà dit. Non, mais moi, de toute façon, j'aurai jamais l'occasion, je peux vous dire, de rentrer euh, sur un ring <laughs> ou dans une cage, hein, où je ne vais pas rester très longtemps, qu'on aura juste la musique et après ça se terminera très, très vite. Bon, allez, la prochaine question des... Les abonnés. Vous aussi vous ressentez cette phase, ouais, celle-là est très intéressante. Vous aussi vous ressentez cette phase indescriptible juste après un fight où l'objectif est atteint et vous n'avez plus envie de rien faire. Tu peux nous décrire cette phase ouais, justement Très très intéressant et euh, je pense que cette phrase-là, elle n'est pas assez profonde par rapport à ce que je voulais dire. Il euh, y a un aspect assez euh, compliqué, dans, en tout cas pour moi. C'est ce côté un petit peu presque de, de dépression ouais, après un combat, où l'engouement est tellement fort avant un combat, où la lumière est sur toi, qu'une qu fois, bah, ok, t'as gagné, t'as pris tes sous, et là tu te retrouves dans ton lit, ouais. et t'as pas de message, rien, parce que, en fait, au bout du deuxième jour après le combat, t'es dans ta chambre. Es chez toi, c'est le vide un peu. Tu, tu vois, en plus, nous ça' un sport à catégorie de poids, donc tu as fait un petit régime. Tu reprends ton poids, tu vois, tu avais bien coupé tes cheveux après le combat. Avant le combat, tu reviens, as, ta barbe elle repousse. Tu te sens pas propre sur toi, tu te sens gros. Il a plein de, de y a tout ça et tu te sens euh, délaissé seul et dans un moment de, de dépression et tu sais pas quoi faire. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. t'as pas les mêmes messages qu'avant, t'as pas. Et, et en fait, t'as envie de rien faire. T'as pas envie de sortir parce que tu te sens pas bien, tu te sens pas beau, tu te sens... Et, et en même temps, on t'envoie pas forcément un message pour sortir. Or que je suis très, très entouré. Hein. Après, après peut-être que c'est moi qui me mets dans cette bulle-là seul. Euh... Mais j'ai des amis très, très... J'ai beaucoup d'amis de, de, de qualité. Mais c'est vrai que voilà, je me sens très, très seul, très souvent dans ma carrière sportive. C Cyril a le même discours. Ouais, exactement. Il y a ce phénomène de dépression d'après carrière, d'après ouais. combat, d'après... Et c'est... Ouais, c'est... Ce, ouais. que, ce que tu ressens, c'est... C'est ce qu'on Moi, je l'ai ressenti au théâtre là, quand on a ouais, arrêté. On a vois, arrêté euh, en, la fin avril. Il y a un vide. Il y a un gros vide. Ouais, ouais, explique tu montes tellement haut, un... haut et, ouais, et après, bah, tu es un peu un vide, tu vois. Je me laisse ce matin, je ne vais je pas jouer. Et bah, un boxeur, c'est la même chose. Ça. Bon, en tout, tout euh... cas, dans cette émission, on s'ennuie pas. On va enchaîner tout de suite avec notre rubrique qui nous plaît à tous les deux et qui plaît souvent aux invités. C'est le face-off. C'est parti. Alors, le face-off, très simple. Tu vas avoir une photo avec une personne sur la photo. Hein tu t'adresses directement à cette personne. OK, okay. Comme si nous, on n'était pas là. Hein. Tu, tu lui parles à elle. <laughs> okay. Allez, c'est parti. La première personne. Mais je lui dis quoi Ah, bah, ça, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux. Greg. Greg Merci beaucoup. Hein. Franchement, tu as été un de ceux qui a cru en moi au tout début. Et, euh, et regarde où je suis aujourd'hui. Donc, euh, je te suis très, très, très reconnaissant. Super. On enchaîne. Tiki, t'es chaud, tu t'exprimes bien, ça fait plaisir et euh, franchement, tu t'es une inspiration euh, pour nous. Et euh, voilà, ce soir, s'il te plaît, Marc, mon pote. <laughs> C'est ce que j'allais dire. <laughs> ah, ah, oui. Marc Demi-finale, retour de Ligue des Champions au Parc des Princes face à Dortmund. D'ailleurs, mon chef d'édition va au parc, il arrête pas de me dire accélère, accélère, accélère. Allez, allez, allez. On va faire exprès d'être long. <laughs> Prochain, euh, prochaine personne. Euh, respect, gros respect, inspiration. Et euh, voilà, je lui souhaite beaucoup de, de force dans sa carrière de, de MMA, autant qu'il a pu en avoir euh, en kickboxing. Juste une question sur Doumbé. Bon. Euh, je sais que beaucoup de médias euh, te demandent si tu te considères un peu comme le nouveau Cédric Doumbé. Ouais. Est-ce que ça te saoule, ça Qu'on te compare oui, à. Ça lui me saoule, ça me saoule, mais je le prends pas mal. Ça me ouais. saoule parce que, par exemple, là, comment tu tournes la question Ça me saoule pas parce que, bien sûr, qu'il faut en parler. Mmh. Et euh, je trouve ça normal. C'est le seul champion à avoir marqué sa génération et à avoir été champion d'une mmh. grande. Euh, Organisation le Glory, le glory hein. et je suis le deuxième champion à avoir eu la ceinture donc bien évidemment qu'il faut qu'il y ait une comparaison. Maintenant ce que, ce que, ce que j'aimerais faire passer aux médias c'est voilà parler aussi de ma performance sportive et je suis pas un second Cédric Boumbé j'ai tout autant de choses à dire que lui et dans un univers totalement différent. Et c'est ça, moi, cette nuance que. Mais non, c'est un honneur carrément d'être comparé à lui, parce que c'est une légende, ce mec. Ouais, c'est vrai. Dans deux styles très différents, mais tous les deux aussi à l'aise dans, dans les médias. et ont marqué leur, ouais. leur, leur, leur sport. Et ça, c'est mm -hmm. quelque chose qu'on retirera jamais. Et tu, tu, tu dis Cédric Dombé avec Nicolas, tu sais que tu parles de deux de pointures. Ouais, c'est clair. Allez, prochain, prochaine personne que tu connais très bien également. Elias ce ah, Maboudi. C'est un vrai tocard ce mec. <laughs> vous savez, je l'aime autant que je le déteste. Parle lui à lui. Hein. C'est un lui gros tocard parle. Mais tu sait, là, je suis à deux doigts de sortir des insultes parce que ce mec, je l'aime autant que je le déteste. C'est mon... mon partenaire d'entraînement, t'es un frère. Et euh, voilà, j'ai vraiment envie de te mettre des grosses patates. C'est tout ce que j'ai à dire. Et vous vous en mettez, hein, parce que quand tu vois les vidéos des deux en sparring, oh là là, c'est hein. dingue. C'est vraiment, tu vois, cette nuance de. de... C'est un frère. On a pu avoir. Euh... Des expériences de vie se déplacer dans le monde entier. Ouais. Et euh, ce qui se passe, c'est indescriptible. Et c'est pour ça que quand je le vois, j'ai vraiment. C je l'aime d'amour en <laughs> même temps. Je... je suis content parce que je peux vraiment te taper à la salle. C'est une relation, une relation toxique. Et ça s'est passé comment d'ailleurs tes premiers entraînements au Mamoudi Gym ouais. On sait que c'est une enceinte mythique où ouais. les sparrings sont durs. Toi, t'as galéré oh, au début Comment ça s'est passé Alors moi, j'étais déjà champion du monde de boxe française, donc ouais. j'y allais avec un certain aplomb. Ouais. Mais euh... Enfin, comme aujourd'hui, sans prétention, juste sûr de, de moi, mais pas prétentieux. Et j'arrive, j'appelle ah. mon manager euh, et mon coach du, du coup, Nordin, que je ne connais pas encore. Il me dit « Ouais, il y a Salim qui va t'ouvrir ». Donc moi, j'y vais, euh, je toque à la porte. Ouais. Et là, euh, je regarde en face de moi, j'ouvre la porte et je vois personne. Ouais. Je baisse la tête, c'est Salim Chiboub qui est du coup nain. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Je me dis, waouh waouh oh, 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 qu'est-ce qui se passe là Déjà, Il y a, <laughs> Et y a un nain qui ouvre la porte, je dis, ok, vas-y, je vois l'ambiance. Et lui, en plus, quand il ne connaît pas, il est un peu prétentieux, il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a Je dis, c'est Nardine, il m'a dit. On commence, on rentre dans la salle. Et à ce moment-là, Elias, lui, sortait de. Il avait été testé positif au Covid. Ouais. Et lui aussi, pareil, grosse dépression après ça, pendant peut-être six mois. Je ne pas... l'ai pas rencontré, moi, je me suis entraîné pendant six mois. Je n'ai jamais rencontré Elias parce qu'il avait fait une préparation de fou. Il n'avait pas gagné d'argent suite à son combat parce que du coup, il n'avait pas pu combattre ouais. et pas pu se peser parce qu'il y avait le Covid. Et euh, après, quand on s'est rencontrés, Elias et moi, vraiment, euh, bah, c'était la première fois que je rencontrais, à part avec Saladin aussi, hein, en termes de jeunes, Saladin Parnas, c'était la première fois que je rencontrais une opposition où je me disais, ah ouais, le mec, il est vraiment fort. Et là, tu vois, il y avait ce truc, ce respect mutuel. Ouais, ouais. Et on se tapait, on se tapait, on se tapait. Et euh, d'un côté, on a beaucoup de similitudes. Donc en réalité, euh, ça s'est fait vraiment naturellement et, et voilà, j'ai été accepté au Mamoudji qui est une salle très très fermée parce qu'on euh, veut du très haut niveau mais aussi on veut un, un mindset, c'est vraiment un état d'esprit. Ouais. Et j'ai été accepté par, euh, par la team, par ce que je suis et ce que je véhiculais. Trop bien. On t'en a parlé du dernier un petit peu, une pépite, enfin c'est plus trop une pépite maintenant, on sait ce qu'il a. Euh, franchement, un, un exemple. Et on a le même âge, toi et moi, euh, on s'est rencontrés peut-être en 2019, on s'est tapé dessus. Je pense que j'ai gagné ce sparring et tu le sais. Mais euh, non, c'est un honneur pour moi d'avoir ce genre de personnes comme amis et de pouvoir compter mes amis comme des exemples. Donc euh, on, va, on va le faire et voilà, c'est à nous d'espérer de, en parler dans 10 ans, 15 ans et qu'on soit vraiment les doyens de nos disciplines et, et les légendes de nos disciplines dans les années à venir. C'est beau. Tu seras où toi dans 10-15 ans, Seb je pense que 60 je ferai, oh, 65. que bah, dans 15 ans j'aurai 65 balais, <laughs> mais euh, je pense que je serai encore speaker 65 ans. Ah on, oui, on, on encore ouais, à la pêche 65 ouais, ans. Ouais. Mais euh, je pourrais dire que tu vois Sala, ça, ça, moi je l'ai vu, euh, j'ai vu ses premiers, bah, j'ai spiqué ses premiers combats ouais. à 100%. Fight. Ouais. Je l'ai ah, vu oui. travailler à la buvette avec Diata chez Bacardiata. C'est dingue. Hein. Eh oui, Alexis, j'ai ouais. eu la chance de le spiquer en 2021. Donc tu vois, j'aurais, je me souviens putain, tous les, tous les plus grands champions français ouais. qui vont devenir des champions. Tu les auras expliqué. Je expliqué. C'est oui. J'ai expliqué Francis, j'ai expliqué Cédric, j'ai expliqué tout le monde en fait. Euh, c beau. Et c'est pour moi et tu vois, je le dis euh, oh, l'ai dit c'était avec ouais, je vois ah, ah, le ah, boulard. Là, regarde regarde le boulard encore plus. c'était à Cyril que j'ai dit ou à Delphine peut-être, j'ai dit les trois meilleurs combattants français pour moi tout tout sport. Ah oui, c'est vrai, au fond je me rappelle. Du, ouais. Salah, Alexis Nicolas vrai. et euh, je savais pas que tu allais encore venir dans l'émission. Si tu si, sais, il savait. <rire> <rire> Non, ça pas encore. Et après, <laughs> le troisième, je ne sais pas vraiment. Euh, mais pour moi, Salah et toi, ouais. en termes d'intelligence de combat, il n'y a pas au-dessus. Ah, euh, Benoît, Benoît Saint Denis. Ouais, merci beaucoup. mais vraiment, je le pense. Pas, je ne cherche jamais les ponts. Hein. Je le pense ouais. vraiment parce que c'est pour ça que, ouais, j'ai la chance et j'aurai le boulard à soin de saint je dis, Eh hey, les gars, ouais. moi ces gars-là, je <laughs> Merci beaucoup. Non, là, non, beau. moi, euh... Bon, on va continuer à se marrer. Ça va être une rubrique très simple. Une situation. Trois propositions, tu es obligé de répondre. Ok C'est bon, t'es prêt Alexis Moi, je suis toujours prêt. Hein. T'es sûr, hein Parce que. Je sais, je prends des coups toute on peut aller très, très <laughs> loin. On peut aller très loin. Ben, on commence fort d'ailleurs. Allez, je commence. Alexis Nicolas. Donc, t'as un, pr... un nom de famille qui est un prénom, un double prénom, on appelle ça Alexis, mon prénom, Nicolas, mon nom. Voilà. On va te Donc, mettre trois célébrités qui ont comme toi un double prénom. Laquelle t'inspire le plus Petit A. Guy Georges, puisque vous êtes tous les deux surnommés le tueur de l'Est parisien. Voilà, tu sais qui Guy-Georges mmh. Oui, bon, voilà. Claude François, vous éteignez tous les deux la lumière. Ça a plus réussi à l'un qu'à l'autre. Et petit, c'est Clara Morgan. Il est conseillé d'avoir plus de 18 ans pour regarder ce que vous faites. Mmh. J'en ai 25, je dirais. Clara Morgan. <rire> <rire> Allez, Clara Morgan. Ça part. Est qui, Clara Morgan. Ouais, euh, <rire> <rire> hey, il veut... Ah, d'accord, d'accord, j'ai compris. Ah, il veut moi, mettre je dans sais la pas sauce non aussi. <laughs> bah, une... Non, mais c'est une, une super actrice. Euh, oui. Euh, voilà. Non, non, ouais. Je sais que tu aimes bien. En plus, <laughs> euh, tu voudrais être acteur. Moi, euh... je vais être acteur. Voilà. <laughs> Allez, on ne dira pas plus loin sur ce domaine, pour cette question. C'est ancien. Bon, Alors, euh, tu as oublié tes affaires pour combattre. On t'en propose d'autres. Hum. A, un kimono vert pomme avec une fleur brodée dans le dos. B, un short de muay rose fluo avec la tête de Dora l'exploratrice. Ou C, une combinaison de boxe française jaune Poussin tellement moulante que non rien. Hum. Le short de muay thai, réponse ouais. B. Ok, avec la tête de Dora quand même. C'est aussi. Ouais, Ok. <laughs> « Seb, t'as trompé la régie, hein. t'as pas fait dans l'ordre, attention. »« J'ai pas fait dans l'ordre ?»« Non, et je peux te dire que ça, Julien Perronnet va débarquer sur le plateau, ça va mal se passer pour toi. <laughs> »« Non, <j 'ai> rigole. Moi, je vais faire dans l'ordre, voilà. Ah, »« je, je rigole qui... <laughs> »« La pire chose qui pourrait t'arriver. <coughs> Petit A, que Greg et Mama te demandent à nouveau si t'as déjà fait l'amour devant ta mère. Ouais. Petit B, qu'on t'oblige à combattre avec les tenues ridicules de « ça va toute ta vie ». Petit C, que le PSG ne remporte jamais la Ligue des Champions. » Ah non, là, il y a plusieurs choix qui sont compliqués. <laughs> en vrai, bon, j'ai grandi. Je pense que maintenant, on sait comment on fait les bébés. Ma mère n'est pas bête. <laughs> euh, la réponse A, ce serait pas forcément un souci pour moi. Mais ça m'a causé des, du tort hein, pendant Ah mais Je me moment. rappelle. Ah, ah, oh, mais c'était mythique. Hein. Ah ouais. Quel culot. <laughs> mais non, je moi, j'ai la réponse C. Je ne peux pas... Euh, C'est la pire chose qui puisse m'arriver, que PSG ne reporte pas la, ah, attention, la Champions repart. League. Ouais. Ah oui. Ah oui, toi ah, aussi, oui. supporter. Ah, oui. euh... Ouais. Bon. Alors attention, on te, on te propose trois endroits pour combattre pour une ceinture. Mmh. Petit A, le Zénith de Constantine en Algérie. Petit B, dans le parc national de Port-au-Prince à Haïti. Petit C, gymnase Louis Lumière, oh. gymnase Louis Lumière dans le 20e arrondissement de Paris. Ou mieux encore, quartier de la Banane. Ouais. <laughs> ouais. Et dure celle -là, hein C est dure celle-là Est très très dur parce que bah, y a mes origines. Tu vois, l'Algérie, c'est... Ma mère est d'origine algérienne, mon père est d'origine haïtienne. Et pour moi, ce serait un honneur, de... De, à mon échelle, tu vois, de pouvoir œuvrer pour ces... Ces, deux... ces deux pays. Et euh, voilà, le 20e arrondissement le Lumière, c'est là où je courais, j'ai fait tous mes fractionnés, et euh, c'est là où les gens me connaissent. Donc, en réalité, je dirais le gymnase le Lumière, parce que c'est là où... où... tout a commencé où tout a commencé. <coughs> Allez, okay. une dernière, beaucoup moins sérieuse. Tu es obligé de changer de surnom ouais. Tu choisis, on rappelle ton surnom c'est Barboza. Tu choisis Alexis Barracuda Nicolas, le gros poisson des sports de combat. Petit B, Alexis Barista Nicolas, le serveur de grosse mandale. Petit C, Alexis Barbapapa Nicolas, adepte des fêtes foraines et surtout des patates de forain. Oh, pas mal. Non, franchement, Barracuda, ça me fait penser à Mr. T, tu vois. Ouais, oui, la et oui, ouais, oui. Ouais. Alexandra, on n'a pas les mêmes références. J'ai 25 ans, mais euh... <laughs> je raisonne comme quelqu'un de. J'ai une, un un... entre... une question J'ai une question d'un. Comment on les appelle les Twitchers, les, 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 les... 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 Twitos ouais. 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 Les Twitchers. Pourquoi <rire> Barbosa <rire> Pourquoi Ah, c'est une anecdote. Euh... Un... Ça, c'est un Twitcher qui me connaît pas. La question. Parce que je le répète à toutes les interviews. Du coup, pourquoi Barbosa Ce qui s'est passé, c'est que je m'appelle Alexis, de mon prénom, Nicolas de mon famille. C'est très simple et très pris, c'est vu du revu. Quand j'ai créé mon compte Instagram, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, tout était déjà pris, et je ne pouvais pas m'appeler par mon propre prénom. Donc c'était Alexis.Nicolas, AlexisNicolas2, ah, etc. Oui. Et j'étais fan d'un combattant de MMA qui s'appelle Edson Barbosa, oui. par son style de combat, etc. Et euh, j'ai mis ça Barbosa, B-V-R-B-O-Z-A, un... et, et bref, comme c'est écrit aujourd'hui, j'ai toujours gardé ce compte-là, et euh, je ne m'attendais pas du tout à l'ampleur que ça allait prendre. Et à partir de là, Barbosa, c'est devenu euh, Barbo, et tout le monde dans mon quartier ou mes amis, Barbeau, euh, Barbeau, Barbeau, Barbeau c'est mon surnom. C'est très rare qu'on m'appelle Alexis. Alexis, c'est plutôt Barbeau. Alors, il en a un autre, je ne sais pas s'il si te connaît aussi. Il dit, elle est bien jolie ta ceinture du one, ouais. mais quand tu la mets, elle t'arrive au menton. <laughs> tu ne veux pas en trouver plutôt une à ta taille. <laughs> Attends, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est <laughs> <laughs> Non, ça, c'est un de mes potes qui a écrit. <laughs> pas mal, pas mal. Bah, c'est vrai un que c'est... Adore. Ah magnifique, bah pas bonjour. C'est ouais. quoi son prénom Sylvain. Bah enchanté Sylvain. Voilà. Ouais. Euh, on organisera un sparring pour ouais. cette réflexion. <laughs> qui ouais. pas... ouais, Sylvain, as entendu qui hein. euh, Non, c'est vrai qu'elle est bien jolie cette ceinture, mais elle n'est pas très utile parce que malheureusement je ne peux pas la tenir, je peux pas tenir mon pantalon ouais. avec, donc en réalité ouais, euh, l'utilité est, est moyenne. Mais non, c'est en fait je la vois même pas comme une ceinture, c'est un objet, c'est un... Ouais, un trophée. C'est un trophée, un trophée. Ouais. et voilà pourquoi elle est si grosse. Et en tout cas elle fait vraiment parler, c'est ça qui me fait rire, c'est que à chacun de mes tweets ou quoi que ce soit... Quand je mets une vidéo avec cette ceinture, les gens sont euh, oh c'est une table basse, ça oh, c'est un gilet pare-balles. Donc j'adore l'humour, mais j'aimerais des nouvelles blagues vraiment pour rire encore plus. Ouais, okay. euh, parce que là j'ai déjà vu un peu gilet pare-balles et table basse. Maintenant voilà, faites-moi rire encore ah, plus. Ah ouais, on, on, en on t'a dit table basse. Ouais, bah ouais. Ouais peu, parce ouais. qu'elle ouais. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi. Mais on va grave. trouver d'autres blagues, t'inquiète. Ouais, 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 on aime ouais, l'humour, ouais, ouais. on adore l'humour dans cette émission. On aime aussi l'amour évidemment. Bon, c'est la rubrique que du love. C'est parti. Le retour d'un très très grand. Le que du love cette semaine, c'est le retour de José Aldo. Oh. José Aldo euh, qui m'a fait rêver pendant des années. Euh, alors j'ai eu la chance moi de, de, de m'entretenir avec lui, de mettre les gants avec José Aldo. Partager euh, le même coiffeur. Euh, euh, ouais. Hein <laughs> que ça dit Partager <laughs> le même coiffeur. <laughs> Ah ouais ok allez. je vais le prendre en okay. consultant à ta place en fait. Il est bien meilleur hein yeah. Ah là, franchement euh... <laughs> Je me suis permis. <laughs> pas les anciens. Pardon, désolé. Les... pas les anciens <laughs> Alors, oui, Alors José Aldo, euh, ça faisait deux ans, un peu, un peu moins de deux ans qu'il n'avait pas combattu en MMA parce qu'il avait fait, il a combattu en boxe. en boxe. Ouais. En boxe. Euh, mais pour moi, c'était son retour, c'est l'UFC Brasil, euh, l'UFC 301. J'ai trouvé ça super, il gagne, euh, il gagne par décision. Au-delà du combat, au-delà de la décision, c'est plutôt pour moi. Euh, Est-ce que la boucle est bouclée J'espère qu'il va s'arrêter, ça ouais. suffit. Mais moi, il m'a fait rêver. Et quand j'ai vu qu'il combattait, j'ai fait waouh. Donc c'est mon que du love de cette semaine avec. Un autre petit que du love, c'est Pereira, Michel Pereira, qui nous fait son spécial salto, qu'il atterrit ouais. sur le mec, grand énorme. Deux Dommage, on n'a pas. On peut pas avoir les images, mais, mais en effet, je vous invite ouais. à les regarder, c'est fou. C'est <laughs> du spectacle, c'est du MMA spectacle. On était au Brésil, grosse ambiance. Voilà, c'est mon que du love de cette semaine. Donc José Aldo le retour, merci d'être venu à 37 Ballet, et puis euh, Michel Pereira qui est incroyable à ce poids-là, quoi. Mmh, c'est euh, clair, mec, euh, donc cool. voilà, c'était le que du love cette semaine. Super. Bon, on a bien chillé. Ouais. On va se fighter maintenant. Ah ben on a l'habitude dans cette émission. C'est parti, la bagarre. Ah oui On a fini ah non non ah non ah non, ah si fini non, fini. Ah non attends, la attends. Cassé la ah non, non, pas, je te garantis qu'on a suivi pas pas alors rubrique très simple hein, tout, tout simplement vous en avez vous en avez l'habitude je mets le petit plastron et puis bah les invités me frappent hein, tout, tout simplement. simplement et puis Seb regarde me... et se marre et se marre ah non, voilà. a on a eu Jérôme Le Banner Loïc Porra, Delphine qui m'a mis des coups de genoux, je me rappelle encore Cyril qui m'a mis... Qu'est-ce qu'il m'avait mis, Genoux euh, Genou aussi, tiens. Ouais. Tu vas être un peu original, toi. Tu, tu pars sur quoi Je... Euh, non, un bon... Un bon, bon punch, ouais. ouais, un bon punch, OK. C'est quoi, ta spécialité, pas. toi, Alexis Moi, c'est le low kick. T'as pas kick. quelque chose pour mettre des... Au bah, ah. pire, tu peux m'en faire un, un petit, hein. Ah, non, si, le... ça, <laughs> non, non, je suis... Si, Non, il est obligé d'en faire un, lui. C'est <laughs> pas... Euh... Alors, ce qu'on peut faire, c'est... On va chercher le foie ouais. et bim on range un low kick. En fait, j'aimerais bien, mais j'ai euh, ma petite blessure au tibia. Oh qui les en... excuses, <laughs> allez les excuses. Ouais, ouais, vas-y, on va faire kick ah, non, le kick. Bon, tu percutes okay, je... au corps, ouais, vas-y, on va ah, faire Attends, un on va le kick. Attends, parce que le dernier moi. qui m'a fait un low kick, il s'appelle Nicolas Hotte, que tu connais très bien. Et il t'avait expliqué quoi par rapport à ce low kick Je me rappelle plus. Je n'avais pas lu. que ma spécialité. écouté, je peux te dire que il m'expliquait, j'étais déjà en mode en serrant les dents, en disant. Je crois que j'avais vu cette vidéo. Ouais. C'était a fait le tour. Il c'était mon low kick qui t'avait fait. Ah, bah tu vois, mais. Ouais, mais... <laughs> bah, J'en garde de très bons souvenirs en tout cas, c'était un plaisir de l'accueillir sur le plateau. Je pense que tu vas prendre un gant, ah, euh, mis attends, trois gauche. jours à m'en remettre Moi, ouais, je... euh, le droit. Droit Ouais. Ah non, je suis. Euh, Cette droite-là. Allez, <laughs> je suis prêt là. Mais euh, attends, si je lui mets un Loki, qui va. Pas à s'en remettre. Hein. Ah bon Tu sais, c'est le but Non, mais t'inquiète. C'est sûr. C'est un petit peu running out Après, euh... après nous, on passe, nous, on passe la journée assis devant un PC. Hein, bon, tu moi, vois, je euh... t'ai prévenu. Non, non, attends. Par contre... Il y a les assurances, attends. il y a quoi Il y a tout ce qu'il faut. faut. Il y a une sécurité médicale dans bizarre le bizarre. Tranquille, hein, mais pas non plus. Parce que Nicolas me l'avait fait avec maîtrise. J'avais eu mal quand même, mais ça va. Tu vois, Nicolas, c'est quelqu'un euh... de, de, quelqu de la science, c'est quelqu'un, tu vois, de, <laughs> ah non, non, mais... de, de 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 la culture. Moi, oui. c'est une brute. Non, mais moi j'enchaîne après quand même. Okay. Dou doucement, tranquille. Attends, on ah, va, on va se placer ouais, comme je... ça. Je... On va se placer je... comme ça pour que ma jambe puisse partir. Euh, okay, commence vraiment doucement. Non, allez, tu regardes. Bon, je vais faire ça. Bam une fois. T'inquiète. Voilà. Okay. Voilà. tu vois. C'est tu as voir. Ça on va rien. je pense qu'on oh, va monter crescendo, oh. on va faire 5 comme ça, tu vois, Non, eh que tu non, puisses non, pas 5. <laughs> c'est ouf. Fais 3. 3. ok. Bah, bah, celui-là il compte, compte pas, tu le compte pas. Allez OK. Bon. Donc là c'est le premier. 1 2 Ça c'est le premier au premier niveau. Voilà. Le 2, c'est le 2. <laughs> <le> Attends. <laughs> Important. En gauche, il faut aussi spécifier que d'habitude, je le fais comme ça, comme ça là j'ai la jambe à pousser. Voilà. Là en gauche là. Voilà. À ouais. bouger, faut pas, bougé, bougé. Faut ouais, pas bouger. Faut pas bouger, ça, ça va être pire. Mais c'est pas respectueux pour de... <laughs> moi. Et le troisième Attends, le dernier, vas-y, je suis encore très gentil. Oh ah, ah oui, bah oui, c'est sûr, c'est la fin là. Ah. Victor Parcao. Ah ouais, ouais. Ah, En fait, tu, mais tu mais es fais pas, pas en Là, il est, il est en saille, enfin en gaucher. Ouais. Avec c'est un droitier, ah, ça retire le non, et, et, puis, euh, et en plus, je pense que je bouge un peu quand même à chaque fois. un peu, mais ouais. ce n'est pas un souci dans le sens où, tu vois, en réalité, euh, y a, dans, la dans ma façon de le faire, il y a ce mouvement un petit peu descendant. Donc, je le fais en gauche ah, en droitier. Oui, ouais. Tu vois, et c'est pour ça que tu as, as eu mal même dès le premier, parce qu'en réalité, je ne suis pas là à venir comme ça. Je suis là à venir, boum, ah, descendre. C'est bon, j'ai ah, eu ma dose. eu ma dose. Et je le faisais sans puissance. Oui, bah oui. Non, mais c'est bien. C'est bien, je suis. Voilà, c'est vraiment. Et comme ça, Oh, je crois que c'est l'heure, euh, Seb. C'est l'heure du Main Allez, c'est parti. Mmh. Là, je vais vous filmer, les gars, je vous préviens. Le défi de l'invité. À chaque fois, on fait monter l'invité sur une balance. Bon, c'est pas pour le poids, hein, c'est juste pour la petite animation. Vas-y, Alexis. On monte Allez, tu point. peux y aller. On non, on, on va pas, t'inquiète, Ça détermine pas. un jeu, en fait. Okay. Ça détermine un petit jeu. Ça va, on va dire un mais... chiffre Non, non, non ah, okay, on dit rien. Okay, on ne dit rien. Ok, ok. Oh la vache! Wow. Wow. Ouais, Allez, c'est parti, vas-y, vas-y, continue, continue! Allez! Elle arrive l'animation, voilà, alors quel jeu! On a fait du tennis de table avec euh, Loïc, du bras de fer avec euh, Jérôme, des... Non, des fléchettes avec euh, Cyril et du foot! foot. Oui, ah Évidemment, soir de Ligue des Champions, on va se faire un petit concours de jongle, on a les ballons. Hop, cours de Vous êtes des gamins parce que je suis trop nul au foot. <laughs> ah bah attends, nous. Hop, euh... oh, attends. <laughs> on va décaler un peu. Tire, les gars. On va décaler un peu la Prends l'autre, prends l'autre. l'autre. Ouais. ouais. Pour qu'on voit quand même un peu. Hop. Ah. Ouais, ils sont tous les deux dégonflés. Hein. Ouais. Mais pour les jongles. Ah, c'est bon, gros. on nous voit bien en régie, les gars. <laughs> Vas-y, euh, vas commence, Alexis, à toi l'honneur. C'est quoi, attends, c'est quoi Oula. <laughs> c'est chaud, hein. D'accord, je comprends pourquoi pourquoi, pourquoi, <laughs> pourquoi pas Attends, le pouce. attends, ouais. J'ai le droit non, à bah combien après, de Là on pas encore. Là c'est on voit le ouais, compétiteur. Ouais. Non attends, 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 je vais arriver, je vais arriver. Ah C'est pour ça que t'étais dans les buts euh... ouais. ouais. Non, j'étais. Tu sais pourquoi j'étais dans les buts Non parce <laughs> que j'étais un peu gros. Et il oh, y oh, a cette rumeur de du gros, il va Le dernier choisi, le plus potelé dans les buts. D'accord. D'accord, bon, en tout cas, voilà, t'es supporter, pas joueur. Bon tiens. D'accord, bon je crois que ça va être un duel entre Seb et moi. Attends, faut les compter Seb, faut les compter, remets-toi. Ah oui parce que sinon... Ah ouais mais c'est avec vocation d'humilier. C'est ça l'objectif, c'est la blague qui est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh 12. En plus moi j'ai fait 7. Moi j'ai les deux pieds. Moi j'ai les deux pieds mais j'ai là en direct à chaque fois de me foire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, les genoux, 15, 16, 17. Ouais, mais ça manque de 19, classe. 20, 21, 22, 23, 24. Hop là Tu vois, j'ai pas de Magnifique. Il a pas de. Tu vois. Ah ouais, moi, a, avec là, je suis un compétiteur. Il le style. Le très, frustré, très mal, là, Je suis très frustré. Là. Très frustré. Il, y il y en a un en en non, non, mais vas-y. Ah, ah allez, 8 du T'es le meilleur à la main. non Tu veux tester avec un ballon de ou... Non je suis, je suis compétiteur de fou, cest à dire que ça je peux passer des heures à... Des heures à vouloir aujourd'hui. de bah, toute façon, euh, tu sais, il y en a juste qui doivent aller au parc des princes, si, c'est si, pas ça. grave, il va rester là. Euh, je pense qu'il dira rien. Bon on va pas casser le plateau non plus. Oh. Ah oui c'est vrai que... Oui mais ça c'est plus pratique aussi avec... Ouais. <laughs> voilà. Hein. Oh bon, super, voilà. Bon. On va dire qu'il a remporté ce défi. Bon on est à 8, 12 et... Ah. Ouais, ouais 8-12 et moi on compte plus. Voilà. Ah. Bon Alexis, merci beaucoup en tout cas, c'était super. Vraiment, euh, encore félicitations pour, euh, pour ce que tu accomplis et pour ce que tu vas accomplir. On anticipe un peu, mais euh, Il y a déjà ouais. une potentielle date de prévu pour une défense mmh, J'aimerais bien, boxe... bien boxer... Assez rapidement, j'aimerais bien boxer d'ici euh, peut-être septembre ou... Ou tout septembre ouais. ou même octobre Pas pour la défendre. Bien sûr que si. Si si ce sera ouais, ouais, la défense, pour la défense, ouais, hein. la défense assez rapidement. Ouais. J'ai besoin de ça. Ouais. Tu vois, on parlait de ça tout à l'heure. Ouais, j'ai ouais. besoin de boxer. Et maintenant que j'ai la ceinture, je ne peux pas boxer sans la défendre. Sans la défendre. À ouais. moins que je boxe dans une autre catégorie, etc. Ouais. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ah. Donc euh, la prochaine fois que vous me, rev me reverrez, ce sera pour défendre notre petit oh, bébé tu... viendra pour Super. nous dire tu l'as conservé c'est ça ben bah oui, oui. conservé et puis on fera un petit concours de jongle on espère que auras mais tu sais que euh, je rigole là, mais là je <laughs> suis les... pas rentrés. si j'avais su je me serais entraîné et en plus de ça là la prochaine fois qu'on se voit je vais forcer à ah la ouais. balance <laughs> à aller sur le foot On va en perdre 200 ah non, mais gagne c'est pendant l'interview on va faire l'émission comme ça carrément non, on fera autre chose on fera du ping-pong un autre truc on verra bien ce qu'on fera Bon en tout cas merci beaucoup Alexis c'est encore merci on peut déjà annoncer notre futur invité quand même jeudi et 16 mai oui. jeudi 16 mai on aura Jimmy Vienno, qui vient nous voir. Euh, euh, ouais. C'est pareil, Jimmy, euh, légende, euh, voilà, au même titre que, que, que toi, au même titre que tous ces gars moi, qui, qui, qui me régalent en pied-point euh, et qui font peut-être cette transition vers le MMA. Ouais. Euh, je suis toujours un peu sur la réserve, moi, parce que je me dis que un Nakmoé ou, ou un kickboxer doit rester dans, son, dans, dans cette boxe qui est pour moi la plus belle, la boxe pied-point. Mais l'air du temps fait que le MMA. Est ah, devenu oui. incontournable ah, et que des, des compétiteurs comme toi par exemple Alexis bah forcément t'as envie t'as envie t'as envie de rentrer dans l'arène c'est 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 là, ah ouais. ça prend au trip, donc euh, je comprends. Donc voilà, Jimmy Vienno euh, mardi. Euh, euh, non, jeudi, 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 jeudi 16 mai. Jeudi, ouais, jeudi 16, mai. 16 mai, alors à 11h en direct sur Twitch, et puis ça sera rediffusé évidemment le lendemain hein, en télé sur Exactement. en France à 23h. Et voilà, Voilà, on est complet, on va remercier toute l'équipe technique quand même qui fait un, un travail monstrueux dans l'ombre. Julien Perronnet à l'édition, bien aidé par Mash. je tiens à le préciser quand même. Émilion Lechat au cadre, Nicolas Baillet évidemment. c'est pas le plus, euh... Ah oui, mais alors là, non. il y a quand même du niveau. Ah hein. là, Nicolas Ah là, Nicolas quand même, c'est du niveau. Hein. Là, là, il y a du niveau parce que c'est ton pote <laughs> oui oui puis euh, voilà on a parié quelques voilà, <laughs> hein, on ne dira pas mais euh, j'ai oublié qui Lucie Pignot aussi au son Sandrine David au maquillage et puis tous ceux qui participent évidemment au bon déroulé de cette émission merci encore Alexis et Ça puis bon. nous on se retrouve jeudi 16 mai t'as un dernier, dernier mot allez Paris ah oui allez Paris je ne suis pas allez Paris allez Paris bon on terminera là-dessus bonne chance aux parisiens ce soir et puis nous on se retrouve jeudi 16 mai salut tout le monde